Et salut à vous, bande de missiles, j'ai quelque chose à vous montrer. Donc aujourd'hui, là, c'est simple. Je vais vous montrer un petit truc sympa. Pour l'instant, on est au casino, on va tourner la roue. Et après, on ira customiser ma nouvelle voiture. Voilà. Ça, c'est la voiture à gagner. Donc on va tenter de tourner la roue. Je pense que... Ouais, ça va être compliqué. Mais bon. On sait jamais. On ne sait jamais. Let's go. Je prends avec plaisir. Bah écoutez, c'est parti. On va de ce pas chez AO. On va appeler la voiture. Ou au pire, ouais. Qu'est-ce que je peux faire sinon? Non, je vais l'appeler tout de suite. Ce sera mieux. On va l'appeler sur la route. Hop, on va l'appeler tout de suite. Je voulais vous faire la surprise en fait, donc c'est pas une surprise. Donc je vais pas l'appeler tout de suite. Je vais aller la chercher. Je vais aller la chercher. Avec ça on s'en fout. Voilà, comme ça vous laisse un petit peu le suspense. Ah ouais, il me le met pas sur la route, hein, comme par hasard. Non, c'est pas vrai, juste là. Ça vous laisse un peu le suspense. Alors pourquoi j'ai repris cette voiture? Parce qu'elle est gratuite. Donc voilà. Et donc vous allez voir un petit peu ce que j'ai pris et ce que je vais custom chez AO. Ça reste sympathique, franchement ça fait plaisir, ça régale. C'est un bon véhicule. Et je pense que sorti de Chao, ça va être encore autre chose. Alors il a une particularité ce véhicule, que vous allez voir. C'est pas un véhicule commun, pour le coup. Vous allez voir. Vous allez voir, je peux pas trop vous en dire plus. Je pourrais peut-être vous donner un indice. Ouais, mais après, ça va être trop. Bon, j'aurais pu aller tout droit, c'est pas grave, c'est pareil. Qu'est-ce que je pourrais vous donner comme indice? Bon, on arrive. C'est pas grave. Vous allez voir la voiture tout de suite. Ah ouais, celle-ci était gratuite. Donc je l'ai repris. Comme j'ai des garages partout, avec des places partout. Donc vous allez découvrir le nouveau bolide. Le nouveau petit bolide que je vais aller custom. On custom ensemble. Ah bah c'est cool, j'ai un nouveau véhicule qui est arrivé. Pour un client. On va se faire un nouveau billet. Donc la voiture... La voici. Elle est magnifique. Elle est juste magnifique. Elle vaut 2 millions et quelques. Je sais plus exactement. Bah, on va regarder ça tout de suite. On va regarder ça, je sais plus. Écoute, elle est où d'ailleurs? Elle est dans les trois portes. Elle est là. 2 250 000. La Cyclone 2. Voilà. A des stats un peu basiques. Ça marche bien. Mais vu qu'on va, on va pouvoir la mettre en HSW, ça va faire toute la différence. Elle est vraiment, vraiment magnifique. Alors, la particularité. Vous allez le voir tout de suite. Ah ça y est, elle est démarrée. Ça y est, elle est démarrée. C'est une électrique. C'est une électrique. Mais on peut quand même aller la custom chez AO. Alors, on a vraiment un intérieur super moderne. Avec les petites aiguilles luminescentes.
Donc on va pouvoir aller la custom chez le frérot. OLS. Alors ça va me coûter une blinde, mais j'ai... Sur moi, j'ai 1 300 000 $. 135 000 $. Donc je devrais pouvoir déjà mettre le kit à eau. Pour la new performance. La nouvelle performance. Et je devrais pouvoir mettre au moins turbo, transmission, je pense, quelques petites améliorations. C'est une voiture du futur. Hein. C'est une voiture du futur, littéralement. J'ai envie de faire un petit tour par là, tiens. Oh. Elle est incroyable. Alors c'est vrai que c'est une électrique, ça en fait chier plus d'un, mais en termes de performance, en termes de fiabilité, de, on va dire, ça colle au sol, ça freine instant, ça accélère comme jamais. Je pense qu'on va faire un beau custom, un très beau custom. Elle a une vitesse, frérot. Après 2 250 000 $, faut pas s'attendre à avoir un truc éclaté au sol. Hein. C'est normal en même temps. Hein. C'est normal. Alors ça y est, nous sommes arrivés chez AO, le poteau. Oh, la voiture de ouf. Whatever. Let's go. La voiture de malade. C'est un régal. Un régal. Après, ouais, c'est vrai que c'est... Le côté électrique, il n'y a pas de bruit de moteur, il n'y a pas de moteur. Bon, c'est comme ça. Faut l'accepter. En termes d'efficacité, c'est incroyable. Alors, je sais pas pourquoi je me balade. On va le mettre tout de suite sur le pont. Alors, rien que le kit AO, je crois que c'est 800 000. Hein. Un truc comme ça. Hein. Amélioration d'HSW d'AO. Ah non, ça va, 451 000. Je pensais que c'était plus que ça. Voilà, on a une deuxième barre d'accélération. Donc on est bien validé. Ah, c'était pas validé. Qu'est-ce qui s'est passé là? Ah si, c'est bon. Ah bah c'est simple. Hein. Moteur HSW. On va faire tout de suite les gros travaux, on va dire. Suspension, vitre. Bah moteur, c'est tout. Blindage, frein, suspension. Ok. Je pensais qu'on pouvait mettre plus de trucs dessus. Ok. Je veux changer que le moteur. Ah, c'est pour ça que la HSW n'est pas si chère. Ok. Il n'y a pas de turbo, il n'y a pas de transmission. Bah oui, parce que c'est un moteur électrique. Donc logique. Logique. Bon, bah on comprend pourquoi, du coup. Mais on a quand même amélioré le moteur. Et on a quand même gagné une barre d'accélération de ouf. Donc, non. Franchement, ça va décoiffer, frère. Alors, au motif. Qu'est-ce qu'on a au motif? Premier motif. Très simple. Je pense que ça n'a pas beaucoup changé d'habitude. Ouais, ça reste très basique. Par contre, ça lui va archi bien. Ça aussi c'est stylé parce que du coup c'est électronique, électrique, c'est stylé. Et le camo de chez AO. Et celui qui est bloqué. Ok. Sincèrement. Je sais pas trop quoi choisir.
Oh, je vais mettre celui-là, il est stylé, hein. Vas-y, je vais mettre celui-là. Alors, du coup, comme on a mis le moteur, on peut mettre les freins. On va mettre frein de course. HSW. Je pense que ça suffit. Pare-choc avant. Alors, pare-choc avant, on l'a vraiment. Genre secondaire, carbone. Ok, classique, vraiment basique. Avec ailette. Alors, carbone ailette. GT couleur 1. Ah, GT, il est beau. Hein. GT couleur 2. GT carbone. GT carbone. Hein. Let's go. Magnifique. La lame devant, frère, c'est une plancha. Pare-choc arrière. Bon, bah, il n'y en a pas 50 000. Hein. Couleur principale, couleur secondaire. Les couleurs principales. Ça n'a rien changé, mais c'est pas grave. Un moteur, on l'a mis. L. Avec le camo, on voit rien. Mais on va mettre quand même les ailes en carbone. Calandre. Alors, on a déjà une calandre dessus, ce qui est étonnant. Ah, c'est moi qui l'ai mis, je crois. Ok, bah elle est très bien. Ouais. En noir comme ça, c'est très bien. Ça bouge pas. Éclairage. Ah. On va les mettre en bleu. Petite néon. Petite néon, ça me saoule un peu, ça sert à rien. Support néon, allez, on va les mettre. Couleur. Bleu électrique. On part là-dessus. On part là-dessus. Pour l'instant, on est pas mal. Motif, prévention, rétroviseur. Carbone. Mode. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Mode standard. Mode sport. Mode course. Ah oui, on gagne encore en accélération. 95 000. Ok, c'est un mode. Eh oui, vu que c'est électrique. Il n'y a pas de transmission, il n'y a pas de turbo, pas de moteur, quoi. Donc c'est un mode. C'est comme si c'était une carto. Et bon, on la prend tout de suite, la carto, frérot. De toute façon, il n'y a pas plus. Plaque. Donc il y avait bien un truc à améliorer, c'est trop bien. Let's go. Peinture. Couleur principale. Qu'est-ce qu'on peut mettre avec la place? Chromé, ouais, non. Classique. En jaune, elle est lourde. Ça fait ressortir le noir et le bleu. Ah ouais, elle est tellement lourde en jaune. Ouais, le vert lime aussi, très joli, hein. Sur cette voiture, ça fait très joli. Hein. Ça fait tuning de ouf. Je crois que je vais la mettre en vert lime. Alors, peut-être en mat. En mat, elle est incroyable. En mat, elle est incroyable. Ouais, le vert lime en mat. Couleur secondaire. Mat. Par contre, je la vois pas, la couleur secondaire, où elle est. On va mettre la même. Ouais, on met noir, c'est pareil. On s'en fout. Emblème de crew, on met pas. Toi, qu'est-ce qu'on a en toi? Ah, les aérations du futur, frère. L'arche carbone. Ouais, vas-y. On part là-dessus. Bas de caisse. Bas de caisse. Ouais, on va commencer par là-haut. Bas de caisse 1. Couleur 1. Couleur 2. En carbone.
On le voit à peine. Hein. Là, on commence à le voir. Course couleur 1, course couleur 2. Course carbone. Ça, ça fait pas beau, frère. Les mains, on dirait un marchepied de camion de 35 tonnes, frérot. Personne peut dire que c'est beau. C'est trop rectangulaire, on est d'accord. En fait, vu de là, ça va. Mais encore, non. Non. Les plus beaux, c'est ceux-là, en vérité. C'est ceux-là. En carbone. Hey player, make sure you check out my latest rides. En carbone. Yeah, that's what I'm talking about. Aileron. Aileron, il y a du lourd, à mon avis. Il y a du lourd. En tout cas, la couleur, elle fait mal, frérot. Ah ouais, ça, c'est trop. Avec la barre de renfort rouge au milieu, j'aime pas trop. Mais ferme-la, s'il te plaît. Ouais, c'est quoi ça? Celui-là, il est stylé de ouf. Hein. Tout basique. En fait, je les aime tous. Mais là, c'est pour les sur-circuits, là. Tenue de route. Ça change pas les stats. Hein. Ah, ça change vraiment pas les stats. Ça, ça fait trop gros. Je crois que je vais mettre un petit carbone comme ça de série. Je sais pas. Celui-là, ça va encore. La barre au milieu, elle est discrète. Deux rues en carbone. Agressif. Ouais, agressif, c'est trop. Deux rues HSW. Vas-y, on met celui-là. Parce que celui-là, c'est trop. Là, on dirait une Formule 1. Là encore, ça va. Ça fait tuning. Ça fait pas Formule 1. Alors, pare soleil. Noir. Avec les couleurs, mais les couleurs elles sont pas. Pff, ouais. On va le mettre en noir. Suspension. Suspension HSW collée au sol, frère. C'est ça qu'on aime. Roues. Franchement, les roues elles sont belles hein, déjà. Hein. D'origine, elles sont bien chromées, elles sont magnifiques. Je sais pas trop si je vais les changer. Type de roue, qu'est-ce qu'on a? Circuit. Celles-là sont stylées quand même. Turbo-réacteur rétro. En fait, celles-ci, elles sont belles et pas belles en même temps. Mais en fait, elles ont un flow de ouf quand tu regardes bien. Quand tu regardes bien, elles ont un flow de ouf. Parce qu'elles se démarquent. Celles-ci aussi, elles se démarquent, mais elles sont cheloues. Ah, celles d'origine, elles sont tellement belles. Alors, attends. Sinon, il y a deux rues. C'est trop classique. On dirait tout le temps les mêmes. Tuning. Ah, tuning, c'est même pas la peine. Sport. Ah, je les connais trop ces jantes. J'ai mal à la tête. Elles me font mal à la tête. Et encore ça, celles-ci elles sont bien. Parce qu'elles sont noires, c'est classique. Celles-ci elles me feront jamais mal à la tête. Mais vas-y, je les ai trop rodées. Je vais mettre des jantes que j'ai jamais rodées. Ah, celles-ci ça tue. Hein. Vous savez quoi, je vais essayer les disques. Make sure you check out my latest rides. Je vais essayer ça. All dressed up and nowhere to go. Couleur des jantes. Si je mets un verlime,
Ça fait pas mal, hein. Ça fait trop. Le bleu? Ah, le bleu, c'est mieux, parce qu'il y a trop de verlim. Le bleu, il est bien. Bleu fluo. Les pneus. Apparence des pneus. C'est parfait. Amélioration des pneus. Faible adhérence, non, ça, pour le drift, on verra plus tard. À l'épreuve des balles. Fumer des pneus, ça, je m'en tape le... T'as compris? Vitre. Montée, bien sûr. Trop de flow. Et bah voilà. Oh, la voiture du seigneur, frérot. Pa, 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 pa. Non. Elle est trop lourde. Elle est incroyable. C'est une des plus belles que j'ai faites. On va tester ça. Elle est incroyable. Ah, c'est dommage qu'il fasse pas jour. Après, je sais pas si le mat ou le brillant, c'est... Le brillant, c'est peut-être mieux. La nuit, c'est mieux le brillant, et le jour, le mat, c'est terrible. Mais après, les deux, je pense que c'est beau. Hein. Les deux, c'est beau. Oh là là, j'ose pas aller à fond. Quelle voiture. Là, les cartos, tout, elle est full max. Hey, it's Paige Harris. We worked together on that job, Allez, on va prendre remember? L'autoroute. With you know who. I basically ran the thing while he took credit. Qu'est-ce qu'elle dit, elle? On va se faire un test dans l'art. Oh là. Pff, je regardais l'autre voie comme un teubé. Non, non, mais c'est trop. Faut que je fasse un départ arrêté. Ah ouais, en plus c'est une 4 roues motrices. Ça part de devant, derrière. Non, c'est une fusée. Après, ça ressemble à ce qu'on a déjà, mais... C'est GTA. Hein. Ouais, je suis à fond. Hein. J'arrive pas à la mettre à fond. Hein. Ouais, l'aiguille veut pas aller à fond. À mon avis, ça se ressent bien à l'Axel. Putain, l'Axel qui est là, fou. Après, les aiguilles compteurs, elles sont peut-être faussées. Hein. Parce que là, je vous dis, je suis à une vitesse quand même, c'est incroyable. Bah, on va se faire un dernier test. Très simple. Là, ça va, elle est en bon état encore, la voiture. Voilà, ça va. Deux rayures. On va se faire un test de, bah, de kilomètres, tout simplement, de là à là. Merci Penji. C'est le rituel. Dans toutes les vidéos, il y a merci Penji. Voilà, on va aller de là à là. On a vu qu'il y avait 3,5 km à peu près. Juste pour voir à peu près en combien on les fait. Si on les fait rapidement ou pas. Ça va, ça avance bien. Alors j'essaie de la comparer avec la Virtu. La Virtu, elle est pas du tout HSW, donc... Enfin, je crois pas, hein. Je suis presque sûr que non. Mais là, pour le coup, ouais, on avance bien. Hein. Wow, 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 wow. On avance super bien, hein, franchement. Ah, je suis bluffé. Et puis elle a un flow quand même. Avec le covering là, elle est incroyable. Oh, le frein il freine. Non, elle a un vrai flow. Elle a un vrai flow. Bon, elle la remet au garage. Waouh, je sens qu'elle en veut. Hein. Alors,
impatient, impatient de pouvoir pouvoir tester d'autres voitures. Yeah. Je pense que je vais pas être déçu. Ah bah du coup c'est dans l'autre sens, ça tombe bien. Putain mais c'est incroyable la vitesse. Je suis obligé de faire gaffe, sinon je tape partout. Wesh. C'est le Dyson le plus rapide du monde. Je vais taper. C'était sûr. Je suis pas assez raisonnable. Qu'est-ce qu'elle marche? Ah, le HSW, ça fait toute la diff. Hein. Ça y est, on arrive à l'atelier. Oh, le bolide! Le bolide, frérot! Si ça, ça mérite pas un petit pouce bleu et un abonnement. Non, elle est magnifique. Elle est magnifique. Elle est incroyable. Celle-ci aussi, c'est l'électrique. Donc, du coup, vous avez vu les stats? Donc, ça n'a rien à voir. Là, on est à fond. Et encore, quand on l'amène chez AO, on voit qu'il y a deux barres. Donc, ça n'a rien à voir. C'est comme celle-ci aussi. Hein. Celle-ci aussi, c'est des frappes. Par contre, celle-ci en électrique, quelle vitesse. Donc, en rentrant dans le chez AO, là, en rentrant chez AO, j'avais 1 300 000 $. Il me reste 528 000. Donc ça m'a coûté à peu près 800 000 $ à peu près. Ça m'a coûté à peu près 800 000 $ en arrondi. Plus la voiture, 2 250 000 $. Ouais, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Pour un véhicule, ça fait beaucoup. Mais ça fait plaisir. On se fait plaisir. Franchement, magnifique. Il n'y a rien à dire. Par contre, il n'y a pas de bruit, pas de moteur. Mais elle est incroyable. Incroyable. Ah ouais, niveau stats, ouais, c'est... Incroyable. Bon, moi, les amis, cette vidéo s'arrête ici. À très bientôt. N'oubliez pas le petit abonnement, le commentaire, pouce en l'air, comme d'habitude. À très bientôt. Ciao. Je vous dis à tout à l'heure. J'espère que vous avez kiffé, hein. Petit bolide du Seigneur. Incroyable, quand même. Et dites-moi dans les commentaires. J'ai pas fini, hein. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous aimez pas, si vous aimez, ce que vous auriez fait, etc. Ça me fait toujours, c'est toujours intéressant de savoir. Si vous êtes chaud, ça fait plaisir. À bientôt. Ciao.